Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. L'entraîneur a donc choisi son système, un 4-4-2. Le 4-4-2 moderne est beaucoup plus fluide aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de permutations entre les milieux et le terrain. Et au niveau des attaquants, on voit en général l'un des deux tourner autour de l'autre, décrocher davantage et libérer des espaces pour son coéquipier. L'arbitre donne le coup d'envoi. Deric. Long ballon dans le sens du jeu. Il cherche son coéquipier. Il décide d'allonger le jeu. Bonne interception, il y avait danger. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Ça passe dans sa chance. Il était bien placé, c'est la passe qui fait toute la différence. Non, on ne s'attendait peut-être pas à un score si rapide dans ce match. Ça joue long, vers l'avant. Il joue long, l'interception au bon moment. Un très long ballon. La longue passe, il peut en profiter. C'est le moment de centrer. Le ballon qui vole jusqu'au second poteau. Un peu d'air pour la défense. Il allonge vers l'avant. Il ne résiste pas au contact. C'est joué long, c'est dangereux. Il joue en retrait. Le KV Courtrai qui essaye de construire. Oh, l'occasion. Il prend sa chance. Il ne se pose pas de questions. En profiter. Dans la profondeur, Valenciennes qui fait dézonner ses attaquants axiaux. Oui, c'est un peu bizarre quand même. Ah bon? Pourquoi? Comment ça? Le problème, c'est que c'est l'attaquant central qui doit être dangereux dans la surface. Il faudrait peut-être mieux laisser les ailes aux ailiers. Sinon, qui va reprendre ses centres? Ça va atterrir dans l'axe. C'est dégagé. Ça peut être extrêmement dangereux. Il allonge le jeu. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, quelle frappe, attention! Oh, quel bel arrêt! Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond.
Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Un long ballon. Il allonge, pourquoi pas. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené. Pas suffisant. La passe en profondeur. Longue ouverture sur le côté. Sur le côté. Et ballon perdu. Pelnard qui a de la liberté. Et il perd l'équilibre. Donc ça va partir vite. Une longue passe. Bonne lecture de la trajectoire. Un long ballon vers l'avant. Bonne intervention. Le bon ballon. C'est joué long. Pelnard dans la profondeur. Oh, le bon ballon. C'est une occasion, ça. Pas loin, mais ça ne rentre pas. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Deric. Radovanovic qui cherche la profondeur. Le KV Courtrai est vraiment bien rentré dans cette rencontre. Il mène donc 1-0. Ça part de l'autre côté. Renversement de jeu de l'autre côté. Pelnard. Le KV Courtrai mène 1-0 et a complètement fait taire l'attaque adverse. Zéro tir concédé. Lorsqu'on mène 1-0 et que l'adversaire n'a pas tenté le moindre tir, eh bien on peut attendre tranquillement la pause. Le KV Courtrai qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. Il faut faire les bons choix. Il y a de l'espace. Il sonne la charge. Il récupère le ballon. L'ouverture lumineuse. Il allonge vers l'avant. Oui! Il tire! Oh la merde! Un long ballon vers l'avant. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Les deux équipes gagnent donc le vestiaire avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Un petit but sépare les deux équipes, 1-0 à la pause. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Il décide d'allonger le jeu. Et c'est récupéré encore une fois. Sur l'aile gauche et il a du soutien. Il a centré. C'est repoussé par le gardien.
Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Long ballon dans le sens du jeu. C'est joué long. Il change complètement de côté. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Le ballon donné dans la profondeur. Deric. La bonne passe. Il s'échappe. Attention, la frappe. Et le gardien est présent. Ou arrêt en deux temps du gardien. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. C'est osé pour filer droit au but. Quelle détente! Oh, le gardien est là, la classe! Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire! C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on! Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. C'est allongé. Bon service dans la profondeur. Radovanovic qui est récompensé de son pressing. Il allonge le jeu. Il ne laisse rien passer. Encore une interception. Ça joue long vers l'avant. Cette attaque n'a pas pu se développer. Quelle passe! Mais la défense se donne de l'air. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il décide d'allonger le jeu. Oh, quel geste! C'est une remise en jeu. Et c'est donc un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Oui, il touche. Jouer dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. Le bon centre. Il frappe loin devant. Il allonge vers l'avant. S'il le trouve, il cherche la profondeur. Il passe en retrait au gardien. Quelle défense, il y avait danger. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Deric qui joue long. Oh, il résiste bien, il continue son one-man show. Il envoie le ballon dans l'axe. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Long ballon dans le sens du jeu. Ballon intercepté.
ça soulage la défense. Radovanovic, la longue passe, il peut en profiter. Oh, il n'y aura personne à la réception de cette longue passe. Et c'est dégagé. La passe dans la profondeur. La passe est précise. Le duel avec le gardien. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il va falloir qu'ils se réveillent, ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Deric qui allonge. Le ballon est repoussé. C'est fini, le match est terminé. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. Vous savez, c'est jamais facile de tenir aussi longtemps sur l'avance, mais ils ont réussi grâce à leur discipline. On s'est régalé d'arène vraiment tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite, à très bientôt. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir.